gens, c'est The Phoenix. Aujourd'hui, on se retrouve sur Virgor. Aujourd'hui, on se retrouve sur ce jeu parce que, changement de programme, il n'y aura plus de Warzone. Je viens de me taper 4 manches où je suis mort en quelques minutes. Donc, oui, je suis une merde. Oui, je rage. Oui, j'en ai mort. Oui, ça me gonfle. Et oui, je ferai plus de Warzone. À part si je suis à deux. Si j'ai des amis qui me rejoignent, mais sinon, solo, c'est même pas la peine d'y compter. Parce que, vu que c'est du spawn kill, et puis que les gens se dépêchent pour avoir une arme, et puis t'as même pas le temps de jouer. Donc, voilà, et en plus de ça, j'ai même pas le temps, on a même pas le temps de choper quoi que ce soit sur ce jeu, vu que la plupart du temps, les gens sont des glingos. Donc donc on se retrouve aujourd'hui sur Virgor. Aujourd'hui on va faire une petite partie, voire deux, ça dépend comment ça se déroule. Voir si, ça fait un moment que j'y suis pas allé, donc mon amélioration a dû être terminée depuis la dernière fois que je l'ai fait. Donc j'espère que cette petite vidéo vous plaira. Donc n'oubliez pas de faire le nécessaire pour cette chaîne, de vous abonner, de partager, de mettre la cloche de notification. Et il y a des nouveaux trucs là. Ouh, il y a un panneau là. Il y a un panneau qui spawn. Ne rôde pas, tatin. Ne rôde pas, j'ai envie de rôter. Par contre, une minute. Il y avait le truc à bois là. What? Ouais, mais il y avait le truc à bois là. Là, il y a ça. Niveau 4. Super. Niveau 4 en rien. Là, j'ai les plantes. On récupère les plantes. Adieu. Ça a eu le temps de pousser, hein, ce qui est sûr, au moins. On va faire le tour pour voir ce qu'il y a au niveau des changements. Ah, le bois est là. Le bois est là, et en plus de ça, ça ressemble bien à une zone à bois, en fait, avec le bois qui est sur le côté. Ça, c'est plutôt pas mal. Les gum coins, comme je les appelle, il y en a toujours autant. Ça, on y passera après. Là, ça n'a pas changé. Là non plus. La zone là-bas, est-ce qu'ils ont fait des changements? Alors non, mais j'ai l'impression qu'on peut descendre. Je sais plus si à l'époque on pouvait descendre ou quoi. Alors là, j'ai pas l'impression que ça ait changé grand chose en fait. La vue est toujours magnifique, ce qui est sûr sur ce jeu. Une des choses, c'est qu'au moins ce jeu ne change pas son caractère de graphisme. Au moins, ça, les cibles. Oui, bah ça on le sait, ça c'est. Ça, on dirait pas que ça a trop changé. Ouais, alors voyons voir à l'intérieur maintenant. J'ai pas l'impression qu'il y ait grand chose qui a changé. Ça, c'est le cube. On va déjà aller voir en bas. Non, ça n'a pas l'air d'avoir changé grand chose, ce coin-là. Là. Là, bah, c'est pareil, le panneau est toujours le même. Pas eu d'amélioration au niveau de ça. Et voyons voir au-dessus, est-ce que les lits ont changé? Bon, c'est vrai que faut peut-être améliorer certaines choses. Donc ça, on le met là. Ça, c'est ouvert, ok. Alors voyons voir la caisse que j'ai eue pendant qu'on y est. Voilà, on ouvre. Ouais, ouais, ok. Matériaux ordinaires, ok. Ok, ok, ok. Donc, plutôt sympathicoche. On va aller mettre les baies dans notre réserve. Donc, là. J'ai eu 3 caisses. Ça, c'est bien. Ah, oula. Ouh, ils en ont rajouté, là. Oui, ça, certaines qui ont été rajoutées dans les stocks là. Ok, ok, d'accord. Alors, par contre, moi ce qui m'intéresse, si est-ce qu'il y a des nouvelles maps?
Parce que c'est bien gentil. Alors. Oups. Partie rapide. Bientôt dispo. Donc il va y avoir une nouvelle mise à jour. Ouais, d'accord. Préparation du serveur, vous n'avez pas d'armes, ouais, ben ça je sais. D'accord, on choisit plus les maps maintenant, c'est aléatoire. Ah ouais. Ah bah ouais, oui, ouais. Écoutez, c'est plutôt sympathicoche. Partie rapide, il y aura un nouveau truc qui va se pointer. C'est plutôt sympa en fait. Alors, voyons voir. Les informations. Les informations des joueurs. Ok, alors là, je suis mal, là, je suis mal, là, je suis mal. Là, je suis mal, là, je suis mal, là, je suis mal. Voilà, lui, je suis... Avec lui, si je croise, lui, je suis dans la merde, là. C'est pas possible. Ok, d'accord, ok. Bon, ben, ouais. Ben, il y en a qui jouent, hein. Il y en a... Ah, maintenant faut appuyer sur prêt. Ah, ça c'est bien. Tant que t'as pas appuyé sur prêt, tu peux pas lancer. Ça par contre, ça c'est un truc qui est plutôt pas mal. Au moins t'es. Ah, par contre t'es quand même lancé quand même. Donc la zone. Donc les carrés noirs, j'imagine que je l'avais déjà rencontré. Ok. Donc c'est toujours pareil, j'imagine la map. Ouais, ok. Ouais, si je me fais buter dès les premières minutes, ça sera pas trop grave. Au moins, on voit un peu les nouvelles mises à jour. Poum poum. De toute façon, ça m'étonnerait pas que je me fasse démonter. De toute façon, parce que vu comment ça a l'air un peu chaud en ce moment, et vu que on est en confinement, j'espère que votre confinement se passe bien. Avec la deuxième semaine, j'espère que. Vous respectez bien les règles. Même si ça peut être très compliqué, hein, je peux comprendre. Ok, une photo, j'en ai rien à foutre de ta photo. Super, des balles. Je vais aller loin avec tout ça. Ah non, il y avait autre chose. Bon, de toute façon, si je croise quelqu'un, je vais me faire démonter. C'est même sûr et certain. Donc, voilà. Hop, mon chat, ça sert à rien que je l'ai en main. De toute façon, je vais pas tirer. Moi, je suis plutôt court lapin et puis va te planquer. Ok, donc, voyons voir. Bon, les graphismes sont toujours aussi beaux, même si bon là c'est un temps pluvieux, hein, c'est comme dans la vie réelle, de toute façon, hein, quand t'as un temps pluvieux, c'est un peu dégueulasse au niveau des temps. Hein. Donc c'est plutôt sympathicoche, on va dire. De toute façon, si j'en croise un, il va m'allumer la gueule, de toute façon, c'est même sûr et certain. Dommage. Ce qui serait bien, c'est de croiser des personnes où tu fais un petit coucou et puis qu'en fait tu fais ta partie tranquillement avec lui, tu cherches des trucs sans te faire tirer dessus comme un lapin en fait. Tu recherches tes matériaux. Oh là, ça c'est bien ça. Après bon, chacun ses trucs. Il y en a, ils préfèrent jouer au violent. Ok, alors j'ai récupéré un couteau. J'ai récupéré un couteau, je suis dans une zone un peu ville. Franchement, je serais vraiment dégoûté là. Parce qu'avec tout ce que j'ai, j'espère pas qu'on va m'allumer la gueule.
Alors peut-être que vu que je suis en hors zone, les gens la plupart du temps essayent d'avoir des trucs du coffre. Et là, je suis plutôt content parce que pour le moment, je n'entends pas grand monde. Et puis la plupart du temps, les gens spawn essayent d'aller dans les zones les plus difficiles en fait. Par contre, j'arrive plus à retrouver la carte. Ce qui aurait été pas mal, par contre, c'est qu'ils mettent un comment dire? Oh bah, je vais pas fouiller là, moi. Donc là, il y a plein de trucs électriques, ça c'est pas mal. J'en ai besoin en plus. Par contre, les toilettes juste à côté, en plein dans le passage, c'est ouf là. Par contre, je sais pas, moi, tu mets pas les toilettes dans le passage. Bon, c'est pas grave. Hop, ok, bon bah la photo de toute façon je sais pas où elle peut se trouver. Donc de toute façon c'est pas mon but premier d'aller chercher les photos. J'ai cru voir quelqu'un, alors on va voir ça. Ok, alors là je vais récupérer un pétard. Si je me fais tirer dessus, c'est pas grave. Bon, je gueulerai un coup, mais... Là, y a rien. Là, y a rien. Là, y a une caisse à armes. Hop. Bien stuffé là. Connexion est instable. Ok. La connexion, comme d'habitude, elle part en heps. Comme d'habitude. Voilà, normalement, au niveau du temps. Je vais mettre une petite. Une petite croix pour m'indiquer que c'est là-bas la sortie. Je serais vraiment dégoûté là si on m'attaquait. Parce que même si je dis que je m'en fous un peu, avec tout le stuff que j'ai. Bon, la démarche est toujours. Il y a toujours une démarche de canard, le machin. Ouais, j'ai failli retourner dehors. Hop. Ça n'a pas été looté là dans le coin, apparemment. Peut-être que si, en fait. Le lieu de largage extrait a été indiqué sur votre carte. Le largage a été déjà fait. Chaud. Par contre, c'est bizarre, j'ai pas entendu l'avion passer, d'habitude on l'entend. Mais là, obtenir la largeur disponible, échapper. Ouais. Le truc, c'est que ouais, le largage, une fois que tu l'as, tout le monde le voit en fait. Tout le monde te voit sprint. Et là, il y a quelqu'un à la tour radio. Qui est juste à côté en fait.
Ah, j'étais en train de me dire, c'est bizarre, j'ai pas vu l'avion. Alors, vu que là, il y en avait un à la tour radio, est-ce qu'il va venir vers moi pour essayer de... C'est pour ça que je vais pas trop traîner dans le coin. Des soins. Et je vais peut-être me barrer de là, moi, parce que je le sens pas. Alors, tu sautes? Il y a quelqu'un qui a eu le largage. Puis là, il va nous taper un sprint mais monumental. Et c'est tout à fait normal. La plupart du temps, ils essaient de se planquer. Donc voilà. Hop. Moi, je me casse. J'ai assez de stuff comme ça. Hop. Bah, une bonne petite partie, même si on a croisé personne. Rentrer au refuge. Voilà, niveau 5 actin. Voilà. Super, impeccable. Voyons voir si on peut faire quelque chose avec ce qu'on a récupéré. Toc. Il faut aller en bas. Et on peut rien faire. Il nous manque de l'engrais, il nous manque pas mal de trucs. Les générateurs seraient pas mal, mais c'est vrai que les générateurs, faut trouver pas mal d'électrique. Électronique, métal, oh, ça va, le métal, c'est pas comme si on en trouvait pas tout le temps. Essence, c'est pareil. Essence, il m'en reste pas grand chose, mais c'est vrai que l'électronique. L'électronique est quand même assez compliqué à récupérer. Ranger bordule. Alors attendez, j'ai eu. Alors j'ai eu prendre récompense. Passer un panier. Donc là le premium, ouais, il faut 900 gun coin. De toute façon, j'y joue pas tout le temps, donc ça sert strictement à rien. Valeur du butin, ouais. Meurtre, ok, 0. Meurtre en expédition. Ok, largage récupéré, 0. D'accord, maintenant on a un panneau pour... ok, ça c'est pas mal. Ça c'est pas mal, ça c'est plutôt agréable à savoir. Ok, ok. Par contre le matériel, je sais pas du tout à quoi ils peuvent nous servir de toute façon. Par contre, moi, je voudrais bien ranger mes armes. Parce que vu que je ne vais pas utiliser d'armes dans ce jeu. Si, peut-être quand je serai un peu plus haut niveau, je l'en utiliserai. Mais pour le moment, je ne vais pas en utiliser. Donc voilà. Bon, ben... Plutôt une bonne partie, moi je trouve, hein. Franchement, 2-3 améliorations à droite à gauche. Franchement, sympathique. Très sympathique. Est-ce que... Ouais. Ok. Bon bah les amis, c'est sur ceci qu'on va se laisser. On va se laisser sur une belle vue, toujours sur ce jeu. Franchement, voilà, si vous voulez que je fasse plus de vidéos sur ce jeu, bah, de toute façon, je pense que c'est ce que je vais faire. Quand je verrai qu'en Warzone, je serai tout seul. Donc, normalement, Warzone, vous en avez une que le lundi. Si je vois qu'il n'y a personne qui est connecté et puis que, voilà, que je sois tout seul, je vous ferai du Virgor et... donc voilà, et en plus de ça, moi j'apprécie
tellement cette montée, cette vallée, on dirait le Mont Blanc. Je sais pas où c'est, je pense que c'est en Suisse ou je sais pas où c'est en fait. Je sais pas où ça peut se dérouler en fait. Pas les Alpes déjà. Pas du tout où ça peut se dérouler. Bon bah les amis, c'est sur ceci qu'on va se laisser. Donc c'était The Phoenix. N'oubliez pas de vous abonner, de partager, de mettre la cloche de notification, de mettre des commentaires, ça fait toujours plaisir. De mettre des pouces bleus, de partager avec vos amis, d'en parler aux alentours. J'espère que vous finissez le confinement correctement parce que bon, apparemment il y a pas mal de personnes qui ne respectent pas les consignes. J'ai vu qu'il y avait certaines personnes sur Instagram gueulaient un peu. Et je peux comprendre parce que bah, tout compte fait, il y en a qui respectent et puis que voilà. Donc, soit vous sortez et puis vous avez un papier, ou soit vous sortez et puis bah, vous faites choper ou pas, mais sans déconner, respectez bien les lois parce que là, sans déconner, si on a encore plus de problèmes après, ça sert à rien d'être en confinement que voilà, s'il y en a qui respectent pas, ça sert pas à grand-chose. Allez les gens, c'était The Phoenix. The Phoenix. Faut The Phoenix, allez à la prochaine les gens.